Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire à idées. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, nous testons un jeu qui a pour particularité d'être une version plus complète d'un prototype de game jam. En effet, le créateur de Fragments of Euclid auquel nous allons jouer avait participé à une Ludum Dare et avait sorti un prototype nommé Non-Euclidean Room. De ce prototype, il a ensuite décidé de faire un jeu plus complet. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va tester. Donc c'est parti tout de suite pour Fragments of Euclid. Là, beaucoup mieux. Relativité. Alors, j'ai eu un peu de mal à lancer la capture. Je m'en excuse si du coup ça fait un petit saut bizarre, mais... Waouh, ça picote les yeux, c'est motif qui bouge. J'ai dû mettre le jeu à sa résolution la plus basse, malheureusement, pour pouvoir enregistrer en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Donc, comme vous voyez, on a pour repère l'espèce de flèche là, elles vont vers le haut. On prend ça comme repère. Et vous le voyez, si on regarde comme ça, on a l'impression que, bah, en fait, on peut aller par là. Il y a une porte là-bas. Et genre ça, c'est aussi une porte, en fait. Ok, et moi, mon sens, il est comme ça. Wouh! Ça va me retourner le cerveau, ça va être bien. Très bien. Ok, clic droit. Et espace pour sauter. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les flèches, elles sont dans l'autre sens. Ah! D'ailleurs, vous voyez les flèches blanches ou les flèches noires? Et là, les cubes, ils sont dans quel sens pour vous? Ah, ça va être prise de tête. Vous voyez, en fait, je suis complètement dans l'autre sens d'avant. Et donc, il faut que je trouve la sortie. J'imagine. Ah, bah, je suis revenue au début. Voyons voir. Ok. Est-ce que je peux monter là? Non, je peux pas. Hein. Ah non, non, c'est une... D'accord, j'aurais pu passer par là. Très bien. Je vois. Je vois comment ça se passe. Et là, j'ai quoi? Oh! Oh! Je suis dans encore un autre sens. Ah! J'ai la souris qui a arrêté. C'est par où là? Ah mon dieu, c'est une telle prise de tête. Ah mon dieu. Donc là je suis à la perpendiculaire d'avant, je crois. Genre avant j'étais face à ce mur et j'avais les pieds sur ce sol. Très bien, avant j'étais comme ça, voilà. Là maintenant je suis là. Ça doit être la sortie par là, non? C'est pas la sortie. Ah bon? Ah bah perdu. C'est pas du tout la sortie en fait. Ah bah super. Et là y'a quoi? Ah bah là y'a pas de... Non. Non non y'a pas de... C'est pas par là la sortie. En fait c'est pas par là non plus j'en viens. Oh tiens. Ouais voilà. Ici je vais... Oh wow 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 wow. C'était beaucoup plus... Eh ben, je suis revenue au début. Superbe. Bravo, moi. Bon, on va faire plus simple. Ok, alors, là, d'accord. Là, je suis dans le bon sens, entre guillemets. Et là, je veux aller vers... Il y a un truc bleu par là. Ah bah c'est moi le truc bleu en fait, d'accord, je me vois. Alors, wandering around is fine, but if you're lost... D'accord, alors se balader, ça va, mais si vous êtes perdu, pressé, R. Wouh, reset. Cette violence. Je vais passer par là. Je vais pas passer par là, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, je comprends. Mais je vais aller là. C'est bien là. Ah bah. Zut.
Ouh, j'étais pas encore allée là. Coucou. Ah. Là, on avance. Non, non. Sérieux. C'était passé par où? Ah, je me suis perdue encore. Ah, mon Dieu. Ah, mais c'était... J'ai trouvé ce jeu par le biais d'un stream de quelqu'un que je suis sur Twitch et je trouvais le concept très sympa. J'avais pas prévu que je me prendrais autant la tête dessus, tu vois. Reviens ici, reviens ici. Ouais, j'ai perdu ma souris, excusez-moi. Comme je disais, je joue en fenêtré et c'est compliqué de jouer en fenêtré à ce moment. Ouh, ceiling wall. Je suis au plafond! Oh là! Oh wow! At last, ça m'a. J'ai pas eu le temps de lire. Ça disait. Enfin, quelqu'un qui vient. D'accord, il y a un truc qui se fait là. Ok, donc il faudra que je pose. Laissez-moi aligner, il va falloir que je prenne le cube. Donc j'ai vu vaguement quelqu'un y jouer et ça m'avait beaucoup plu. Ce que je disais, le principe un peu à la Portal, mais beaucoup plus. Encore plus casse-tête. Encore plus casse-tête parce que je suis vraiment vraiment sensible à ce genre de petits. Oh, c'est je suis dans l'autre sens, regardez, c'est le cube que je viens de poser. J'aime beaucoup le mélange de l'aspect prise de tête de on est de l'eau. Enfin, on change de gravité. Alors, tu as réussi. Je vais maintenant t'appeler l'éleveur roi, celui qui s'élève, celui qui est là. Donc alors attends, là il faut que j'aille sur le côté. Donc il y a une porte là. Donc, ce serait pas mal de tomber ici. Là il y a un cube et il faut que j'active un truc qui est là-bas. Un truc qui est là-bas, d'accord. Donc il faudra probablement que je fasse ça d'une façon ou d'une autre. Tu fais mal à la tête. C'est terrible. Normalement je suis pas très sensible à ces choses-là normalement, mais pourtant là je le suis. Alors, voilà, et ça ouvre la porte. Impec, ça soulève un petit pas. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, une grande grille. Maintenant, il va falloir trouver. Il faut que tu cherches une manière d'ouvrir le portail. D'accord. Oh, 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 oh oui. Voici le menu de sélection de niveau. C'est-à-dire que pour sélectionner un niveau, il faut déjà réussir à y accéder. Et ça c'est formidable, je trouve. Je trouve ça super intéressant. Oh non, oh non, oh non. J'ai perdu trop loin. Ouais. Donc. D'accord. Hop. Passons plutôt par là, du coup. Par. On va aller dans le tout droit. Ça en descend de la barrière. Excusez-moi, c'est ma souris. J'aime beaucoup le style artistique avec ces espèces de petits effets crayonnés. Mais ça pique les yeux par contre quand il y a un motif. Et comme ça bouge constamment, il y a cette espèce de petit effet qui se veut un peu cartoon old school, on va dire. C'est un jeu qui pique quoi en fait. Ce que je disais, c'est que là j'ai les yeux qui vibrent presque. Donc c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas trouvé ça sympa. J'aime beaucoup la musique. C'est combien de temps. Je suis pas fan du sound design sinon en règle générale de ce jeu. Je trouve pas les petits cubes tout seul très bien. Bah, écoute, on y va, ton premier vrai challenge. On va tout de suite le premier coup. Ok, c'est pas par là, très bien. C'est la sélection de level. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
plein d'interrupteurs. Ah! Tellement triste. Typiquement, par contre, c'est le genre de jeu que, à mon avis, une fois que t'as la solution, c'est. T'as plus envie d'y rejouer. Ah, j'ai ouvert cette porte-là, très bien. Enfin, non, j'ai pas ouvert cette porte-là. Bien, alors on va pas être par. Ça ne doit pas être par ici. Ça doit être ailleurs. Bah non, c'est toujours pas là non plus. On va le remettre. Ah! C'est quelque chose par ici. On va recommencer. Donc, je disais. Si je mets quelque chose là, c'est cool. Si je mets quelque chose là-dedans. C'est pas suffisant. D'accord. Refaisons. Je crois que j'ai compris. Il faut que je me mette sur l'interrupteur. Et que je prie. Oh non, il est coincé. Sérieux. Ah non, c'est bon, il n'est pas coincé. J'espère que je vais lancer correctement. Oui, c'est bon. Ok. Par là. Voilà. Il y a rien en arrière en fait. Alors, comme tu commences à progresser, super. Je sais pas si c'est super le mot que j'aurais cherché, mais d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est très bien. On ouvre celle-là. Très bien. C'est donc la sortie. Très bien. Donc je suppose que il me faut mon cube. Exactement. J'ai mon cube, tout va pour le mieux. Ok, alors. Ouais, mais non, en fait. Je peux pas. Pas retourner en arrière, bah oui, j'ai récupéré mon cube. Il y a un truc que j'ai loupé, avouez. Oui, voir. Quelle possibilité cela m'ouvre-t-il ici? Grand-chose, hein. Suis-je? Ok, qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Où est l'interrupteur pour ceci? Oh, un petit bonhomme en mousse. Pas que c'est tout celui du tout début. C'est ma souris qui fait des bêtises, c'est pas bien le moment. Quoi ici? Non.
Je dirais que c'est pas par là, comme ça. Je dirais que ce n'est pas par là. Mais par contre. Ah! Je comprends. Ah, il faudrait que j'aille là. Ok. Ok. Ah. Attendez. Peut-être le cube qui devait y aller et pas moi. Il n'y a pas de porte du tout, ou non, il n'y a pas de sortie. Ici, oui. Qu'est-ce que. Ah bah non. Bon, on recommence. Pas ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon. Qu'est-ce que c'était? Je suis à peu près sûre de mon début. Du tout. Vraiment. Est-ce sérieux? J'y arrive plus. Ah, j'y arrivais vachement mieux avant. Nous. Encore raté. Pourquoi j'y arrive plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me contenter de viser avec et puis de après ouvrir la grille. Hein. Sans déconner. C'est bon là. Et là c'est bon. Ah. Ok. Cube. D'accord. Jusque là, tout va pour le mieux. On va le refaire. Sur la grille. Il est sur la grille, il est sur la grille. Il est sur la grille, tout va bien. Impeccable. Ah! Ah bah voilà, vous voyez, ça c'est la grande grille que je dois ouvrir pour la fin. Donc, premier laser connecté, maintenant trouve toutes les autres pièces challenge. Et bah c'est pas facile comme jeu. Ah, la prise de tête. Ok, moi je veux bien, mais bon. Oh mon dieu, ça va, ça a l'air compliqué. Ok, ça c'est fait. Non, retournons à nos petits oignons. Donc on a notre laser qui pointe là-bas. Très bien.
de ce côté-là, pas de souci. Maintenant, il y avait des escaliers. Un escalier qui descend. Ça a l'air sympa par ici. Allons-y. Qui a l'idée de faire un jeu où déjà la sélection de niveau, c'est compliqué? Super. En vrai, c'est une très bonne idée. Je critique, mais je trouve que c'est une excellente idée. Cet escalier. Allons-y. Non. Je suis déjà allée là. Oui, là je suis. Quoique, attends. Par là que je suis allée. Attendez. Je suis perdue, moi. Je suis perdue, j'ai perdu. Hop, allez, j'y vais. On va voir. De toute façon, je vais reconnaître si j'y étais déjà. Oh, petit portique. Voilà, nouveau. Alors, courir. D'accord. Cette pièce-là, ça pourrait être plus dur, mais j'ai confiance en toi. Super. Ça en fait au moins un de nous deux, écoute. Interrupteur. Je vais même pas examiner, tu sais, non, il y a un interrupteur. Je peux faire ça. Qu'est-ce que je veux faire? Et voilà. Je peux pas aller par là. Je vois comment c'est, très bien. Super, bonne ambiance. Je peux pas aller là non plus. Mais oh, il y a un autre chemin pas. Ah! Par là, on n'y va pas. Par là, c'est ouvert. Pas du tout. Et voilà. C'est le sorti par là. Parce que maintenant il faudrait que je. Coucou. Ah. Y aller, je veux juste poser ça. Ah. D'accord, ça ramène un endroit. Non, et par là, il y a quoi? Quoi, par ici, c'est juste au cas où je tombe, c'est ça? Je vois. Je vois, je vois. On va se sortir. Je suis bloquée, très bloquée. Voilà, c'est bon. Là, on me bloque aussi. C'est facile. Hein. C'est mon interrupteur.
que je double. Hein. Surtout comme toi, je t'ouvre. Ok, d'accord, c'est ouvert là. C'est comme ça. C'est... Oh, d'accord, je comprends. Ok, pas que j'oublie d'où je viens. Oups. Je me suis plantée. Il a dû rebondir. Il a rebondi, je sais pas où. Allez. Comment je peux faire? Comment je peux aller plus vite que lui? Est-ce que c'est... Contrôle. J'ai pas de... Comment je peux jouer Gamepad? Ça peut être sympa ça. Ah, sympa aussi le Gamepad. Voilà, on va réessayer avec partir de là. Peut-être interrompu. Hein. Il est tombé juste à côté. Sérieusement. Ça n'est pas très sympa, je trouve. Tomber à côté, oui, absolument. Du coup, à la manette, le contrôle, c'est quoi déjà? Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Et tant mieux. La rencontre. Très bien. Je n'ai aucune idée de ce que tout ceci implique. Mais il y a des trucs chelous. Voilà. Ça c'est fermé, c'est fermé. Ça c'est ouvert. Ça c'est fermé. D'accord, il va me falloir l'autre cube. Celui de juste avant. Donc, il faut que je passe par ici. J'arrive à la demi-heure, mais je me prends la tête tellement fort que...
que c'est important. Ouais, ouais, par ici, y a quoi? Essayons par là. Me suis-je loupé? Merveilleusement. Ah, cool, ça me remet ici. Alors. C'est très bien que ça me remette là. C'est soulageant. Sinon, je serais tellement dans la galère. Tellement dans la panade. Voyons voir. Donc. Ok, par là, non. Clairement. Par là, peut-être un peu plus. Ah non. Trop pas. Je peux pas, d'accord. Tomber sur la grille bleue, ça fait reset. Je note, je note. Ah oui, mais non, je suis bête, il faut que je... Je suis bête, je comprends. Bon, écoutons. Tomber dans les bidules. Ok. Oh, je crois que je sais. Ça va être compliqué. Non, je sais pas en fait. En vrai, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Oh mon dieu, je suis perdue. Je vais passer par là, j'imagine. Évidemment. Ça passait presque, hein. Presque. Mais pas assez. Refaisons. Ça doit être extrêmement frustrant de regarder quelqu'un jouer à ce genre de jeu et pas y arriver. Quand on a... Surtout si vous avez compris. Et moi pas du tout. Du coup, de ce côté-là. Non. Ah ben je sais. C'était le même truc qu'au début, n'est-ce pas? J'ai encore oublié que je pouvais utiliser les grilles à en décaler. Bravo, moi. Ah. Super. Bon. Bref, on va activer le deuxième bidule, hein, et puis voilà. Hein. Oui. Deuxième laser connecté. On n'en a plus que deux maintenant. C'est
super compliqué ce que tu me demandes de faire aussi, alors non, tu vois. J'aime pas quand tu fais ça. Oups. Et donc nous y voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'éloigner du bourdonnement. Hein. Donc c'était Fragments of Euclid. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'aime beaucoup l'aspect puzzle, vraiment prise de tête. Ça me donne le tournis par contre un petit peu, je vous avoue, ça me donne un peu de vertige. Ce qui est étrange parce que d'habitude ça me le donne pas du tout. Et regarder jouer à ce jeu ne me donnait pas du tout le vertige. Mais clairement au pad ça se passe mieux parce que mon ordi galère un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Du coup c'est déjà ça de gagné. Mais voilà, le jeu est très très sympa. C'est des très très bons puzzles et plus j'avoue que y jouer, plus que d'y jouer, j'aurais envie de faire des niveaux pour ce jeu. C'est mon grand. C'est typiquement moi ça, mais c'est un comportement que j'ai souvent. Pardon. C'est un comportement que j'ai souvent de oh mon dieu, j'adore ce jeu, pas parce que j'adore y jouer, enfin j'aime bien y jouer, mais surtout parce que j'adorerais faire des niveaux pour ce jeu. Donc, typiquement Portal, c'est pareil pour moi. Et voilà. Je vous invite à tester ce jeu qui est donc gratuit, indépendant, sur itch.io. Je vous mettrai les liens dans la description. Et voilà. N'hésitez pas à soutenir le créateur de ce jeu, comme d'habitude. Soutenez vos créateurs préférés. Et amusez-vous!